Je pense que c'est très drôle. Et en même temps, je trouve ça très, très difficile et très délicat, car l'idée, c'est quand même de parler des émotions que suscite un meuble. Et alors, je me disais, parler de mes émotions, quelle prétention quand même. Alors, moi, j'ai quelque chose qui me convient très bien, vraiment, je crois que je ne pouvais pas trouver mieux, c'est le pupitre. Alors en plus, c'est un pupitre qui a l'air de dater des années 50 ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait, il n'est pas spécialement esthétique comme pupitre. Il est très bien celui-là, parce qu'il est très pratique. Il rappelle un peu les écoles primaires. Il est très touchant pour ça. Il est très bien fait. C'est un objet de qualité. Et ça me fait très plaisir. Eh bien, j'ai mis mes livres de cuisine dessus. Je ne sais pas si je dois le dire. Voilà. Parce que j'aime bien chercher dans des recettes exotiques. Alors c'est très difficile d'avoir un endroit où poser ses livres de cuisine, vous savez. Donc voilà, j'ai fait ma petite cuisine avec ce magnifique pupitre. Il y a quelque chose de rassurant et de chaleureux qui me plaît beaucoup. Actuellement, je m'occupe surtout de cette association qui fait faire aux enfants du chant en chorale avec une cantatrice comme chef de chant, parce que ça me tenait à cœur. Et justement, les voici, les voilà. Alors le plus petit, Vasco, après Aïssa, Alban, Nathan, Gabriel et Thibaut et Hector.